Je pense que les personnes qui veulent insulter mon père se basent sur des rumeurs et n'ont pas d'arguments clairs et précis. S'ils se mettent à croire tous les journaux et tous les on-dit, je ne peux plus rien faire pour eux et je n'ai pas à me justifier face aux mensonges. On vient parfois m'insulter en message direct, mais je m'en fous. Mon père a un jour refusé un reportage sur une femme voilée, tout simplement parce qu'elle n'était pas intéressante. Au même titre qu'il refuserait un sujet sur une personne chrétienne ou d'une autre religion. Ils n'ont pas le droit, il ne fait pas de différence. C'est vrai que certains n'aiment pas le franc-parler de mon père. Moi, je pense que c'est bien que quelqu'un dise les choses, loin de l'image de populiste qu'on a voulu lui coller. Il est un journaliste juste et qui ose dire ce qu'il pense selon elle. Je suis fier de mon père vraiment, de tout ce qu'il a accompli dans son travail et en tant que papa, a conclu la jeune fille de 18 ans. Jean-Pierre Pernaud peut lui aussi être fier de sa fille.